Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on reprend le travail dans la cuisine. Comme vous le savez, on souhaite trouver une solution pour recouvrir notre enduit chaud chanvre. Celui-ci présente de nombreuses taches et le spectre de la structure en béton est visible. On a donc effectué quelques essais avec des peintures à la chaux trouvées dans le commerce, mais aussi avec des badigeons de chaux faits maison et divers pigments. Au final, notre choix s'est porté sur la première peinture à la chaux essayée, dont la teinte se rapproche le plus de celle de l'enduit actuel. Comme d'habitude, on a commencé par bien préparer notre support. Il a fallu aspirer, enlever les vieux scotch de masquage, dépoussiérer la sous-toiture et aspirer encore. On a ensuite pu couvrir de nouveau les éléments de charpente en contact avec le mur, les parois en fermacelle, les appliques lumineuses et les fenêtres. Le mur est ensuite humidifié au rouleau afin que la chaux de la peinture ne tire pas trop vite. La peinture qu'on s'est procurée est vendue en kit, avec de la chaux en pâte et un pigment qu'il faut simplement mélanger avec de l'eau.
La peinture est ensuite appliquée au gros pinceau avec un geste croisé. La première couche est un peu déstabilisante à appliquer, puisqu'on a l'impression de seulement humidifier le mur sans en changer la teinte. C'est un phénomène normal, la peinture va devenir couvrante en séchant et le mur va s'éclaircir. Et après une douzaine d'heures de séchage, on passe à la couche suivante. Nous n'en avons filmé que deux, mais c'est bien trois couches qui ont été appliquées afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Les scotchs de masquage sont ensuite retirés une bonne fois pour toutes et l'échafaudage démonté. Et voilà le résultat, on en est très content. La pièce s'est éclaircie tout en laissant les paillettes de chanvre visibles. Les taches et le spectre de la structure en béton ont quant à eux été quasiment totalement effacés. On est donc enfin prêt pour monter la cuisine. Vous le verrez très bientôt.
On passe maintenant sur le deuxième gros chantier en cours, la salle de bain. On souhaite y appliquer notre enduit de finition la semaine prochaine. Il y a donc pas mal de choses à faire en préparation, en commençant par appliquer un crépi à la chaux sur notre bloc de chanvre. Ce crépi va permettre de boucher les quelques cavités présentes entre les blocs et d'offrir une surface homogène et rugueuse à notre enduit de finition. On va pour ça utiliser une recette dosée à 2 volumes de sable de rivière 0,4 pour un volume de chaux NHL 3,5. Comme d'habitude, on humidifie bien le support, la veille et le jour même. L'enduit est appliqué à la truelle ou à la taloche, en serrant bien fort. Entre deux fines couches d'enduit, on insère une maille en fibre de verre, qui va limiter le retrait de la chaux pendant le séchage et procurer un support bien stable à notre enduit de finition. Thank you.
journée, on reçoit la visite de Paolo, un artisan de la région. Ce n'était pas prévu, mais nous voyant un peu stressés et en difficulté, il nous a proposé son aide pour finir ce pan de mur. Alors un immense merci à lui. Maintenant se tourner vers la prochaine étape qui consistera à appliquer l'enduit de finition sur les murs et le sol. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.